une belle matinée d'automne. Il vient de rentrer dans sa 213e année. Quelques promeneurs solitaires se faufilent dans les allées pavées, troublant à peine l'inquiétude des lieux. Ils s'enfoncent dans les profondeurs du cimetière, jardin secret enfoui au cœur de la jungle. Mathilde arrive comme chaque matin, son petit camarade à la main. Elle se dirige vers la 11e division, proche de l'entrée où M. Smithy a l'habitude de se prélasser sous un enchaîne. Mais ce jour-là, il se tapit dans les contraintes. Avouez que c'en est trop. Remarquez, M. Beaumarchais n'a pas à s'en plaindre.
loger dans un caveau familial aussi bien conservé. Bon, bien sûr, il n'a pas le même succès, mais moi, je vous le dis, monsieur Souti, que ce soit un petit ou un gros caveau, je suis toujours bien. Oh, regarde cette jeune fille. Je me demande si elle peut bien faire chez lui. Voyons. Elle ou est, division 72, prendre l'allée circulaire, tourner à gauche, dépasser la tombe des bords dans la baie et ramper à droite sous les branchages. Les indications du gardien sont vraiment abracadabrantes. Thank you.
place ici. Je ne parviendrai jamais à rivaliser avec de tels traiteurs. Je suis une poussière perdue dans cette grande cité. À quoi bon continuer à exister jusqu'à la fin des temps? La mort ne change rien, ne répare pas les injustices. La solitude sera-t-elle ma compagne pour l'éternité? Une jeune femme, pourtant charmante, patronne d'une dame d'âge.
Le bon bougre, 35 ans au compteur, faisait une dépression post-mortem. Seul avec ses verres, dans son caveau rongé par le temps, il n'arrivait pas à se faire une place parmi les célébrités. Mais comme le disait si bien la comtesse de Ségur, après la pluie, le beau temps, une jeune femme est à sa recherche. Monsieur Sweetie informa aussitôt Mathilde de ses investigations nocturnes et c'est d'un bon pas qu'il menèrent Anna à la tombe du poète. Située en 72e division, ligne F, elle ne payait pas mieux. On ne pouvait même pas distinguer le nom du pauvre défunt. Pourtant, un je ne sais quoi d'étrange en émanait. Anna devait en savoir davantage. À la nuit tombée, profitant que M. Zig, le gardien du cimetière, soit endormi, elle se faufila entre les tombes et se cacha comme un arbre, guettant la silhouette pénible du chat. Ce dernier, d'après la rumeur, venait s'y cacher tous les soirs. Au bout d'un moment, elle sentit une présence invisible tout près d'elle.
Thank you.
sucré par ici. Ça sent la chair fraîche. J'ai dû faire un peu de pénétrer dans le labyrinthe. Mais c'est pas possible. Quelle senteur délicieuse. Regarde, attention pour toi. Regarde sur la droite. J'espère. En fait, le couloir à deux. Regarde, tu peux voir l'intérieur. Adolphe Thiers. Au nom de la République, je vous demande de vous arrêter. Nul n'échappe à la mort.
protégée. Nous avons conclu un pacte depuis la nuit des temps. 9 vies. C'est un peu chiche. Je vais en parler. Thank you.
Tu n'arrives toujours pas à y croire. J'ai la curieuse impression que nous vivons dans un rêve éveillé. Non, je suis bel et bien là, en chair et en os. Est-ce que la mort va se mettre à notre recherche? Je n'ai aucune idée. Alors, les amoureux, la vie est belle? Dialoguer avec un Prussien, comme s'il se trouvait juste en face de soi. La Prussie.
une idée, oui. C'est monsieur Cher qui aurait été content de savoir ça. Et que font les morts pour passer le temps? Les défunts n'ont plus rien à construire ou à détruire, alors ils sont nids. Mais n'est-ce pas merveilleux d'avoir l'éternité pour composer des poèmes? À quoi bon continuer à écrire si ce n'est pour ne jamais être lu? Méditer sur 60 ans, c'est un supplice. Je serai toujours votre fidèle. Mais il ne fait pas si chaud. Je t'ai vu très bien, pourquoi j'ai la crème d'orge? Vous êtes de plus en plus à propos de moi un instant. Pourquoi je me sentais vigoureux il y a quelques instants? Vos doigts, ils commencent à disparaître. Je me sens flotter dans le vent. Venez vite, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Monsieur, ce monsieur se sent très mal. Auriez-vous des aliments avec des vitamines? Mais les vitamines, ce n'est pas ça ici. J'ai des dates, des noix de cajou, des gâteaux à la noix de coco, à la crème de corosol. Victor! Écasse, laissez bébé là, éloignez-vous, il est possédé par un djinn très puissant, Almighty, le djinn de la mort. Non, c'est pas ça, il est déjà mort. C'est compliqué à vous expliquer, mais... Alors c'est que celui-ci n'est pas tranquille. Il n'est pas mort de manière heureuse. Comment est-ce qu'il
pouvait-il arriver? Vous vous étiez évanoui au point de disparaître presque totalement. Allons, mon frère. Vous devez impérativement retourner à la cité des morts. Vous y trouverez sans doute un remède. Vous êtes fou, la mort n'attend que ça. Ne vous en faites pas, ma chère âme. Un peu de courage, d'audace et de bravoure, et aussi vrai que je m'appelle Victor, nous serons victorieux. Bonne chance. Merci. Merci.
Thank you.
sentiments nobles et sincères. Par ces temps troublés, par le rejet de l'autre, les hommes s'entretuent au nom de la race ou de la religion, et où les morts sont incapables de vivre en harmonie, bien que tous ces groupes pour l'éternité. Votre rencontre est un signe d'espoir, mais tout n'est hélas pas aussi simple. Thank you.
nos amoureux vivent une telle tragédie. Je l'avoue, je vous vois venir, mais ne me jugez pas. J'ai triché. Oui, je le confesse du bout de ma moustache. Mon vieil ami Anubis m'a confié une petite fiole du Styx pour ressusciter notre romantique poète. Et j'ai aidé ces jeunes gens à s'enfuir par les portes ouvertes. Il paraît que la mort a encore piqué une crise. Hein. Elle se rattrapera. Mes amis,